Salut à tous, chers amis. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors oui, ce n'est pas encore une vidéo de musique à proprement parler, comme j'avais l'habitude de faire pour l'instant à domicile. Non, là, je vais plutôt vous informer, vous donner quelques informations concernant le devenir de la chaîne YouTube, et puis concernant aussi le répertoire que je développe en ce moment pour dans l'intention de concevoir le prochain album. Voilà, donc ça je vais vous en parler un petit peu plus en détail après, qui est dans le classeur bleu. Ouais, le classeur bleu que vous voyez juste derrière moi, là, je vais aller le chercher après. Mais d'abord je vous informe tout de suite concernant la chaîne YouTube que là jusqu'à présent je faisais 2 vidéos par semaine, comme vous pouviez le voir sur la bannière de la chaîne, et sur la page de couverture sur la photo de couverture, pardon, sur la page Facebook. Là, je pourrais pas, malheureusement, je ne pourrais pas continuer à faire 2 vidéos par semaine par manque de temps. Et oui, parce que la rentrée de septembre se prépare, à vive allure d'ailleurs. Et là, je serai amené à donner un peu plus de cours que d'habitude. Donc, je ne pourrais pas, en tout cas dans la semaine, je ne pourrais malheureusement pas vous proposer 1 vidéo par semaine, ce n'est pas possible. 2 vidéos par semaine, pardon, ce n'est pas possible. Je vais me cantonner à une seule vidéo par semaine. Alors, ce sera, vous verrez bien, hein, suivant ce que j'aurai développé comme stratégie de contenu, on va dire en amont. Hein, en amont. Voilà, donc ce sera 1 vidéo par semaine. Donc, évidemment, par conséquent, je changerai aussi la bannière sur la chaîne YouTube ainsi que la photo de couverture sur la page Facebook. Ça, je vais changer aussi la bannière. Et puis vous verrez aussi, de toute façon, vous verrez bien l'heure à laquelle sortira la vidéo sur YouTube et l'heure à laquelle sortira la vidéo sur la page Facebook. Voilà, donc ça c'est dit. Donc 1 vidéo par semaine dorénavant. Donc là, c'est la première vidéo du mois de septembre, de la rentrée, la première vidéo de la rentrée. Bon, personnellement, je suis très très fier de faire cette vidéo parce que je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, le répertoire pour le prochain album. Qui sera plutôt axé sur les chansons françaises, sur les valses, et puis si possible, mais là il faut que je reçoive l'autorisation de la part de la SACEM, des reprises de morceaux de Yann Tiersen, un compositeur que j'adore et puis que vous connaissez certainement si vous suivez ma chaîne depuis déjà un petit moment. Voilà. Alors j'ai pas encore sorti de vidéo de Yann Tiersen, sur des morceaux de Yann Tiersen, je crois pas. Pas encore sur ma chaîne, mais ça viendra dans le courant de l'année. Dans le courant de l'année scolaire. Voilà. Alors, bien écoutez, ça c'est dit, cette première information est dite. Maintenant, je vais vous présenter le répertoire. Alors, je ne vais pas vous dire tous les morceaux parce qu'il y a énormément de morceaux, il va y avoir 40aine de morceaux, mais il y a, je vais vous dire, on va dire les principaux, vraiment les principaux morceaux sur lesquels je vais me concentrer pour l'instant, même si le planning, la liste des morceaux actuels que j'ai écrite pour l'instant n'est que prévisionnel, je vais quand même vous faire part de quelques morceaux que je compte arranger et vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, ou quels morceaux vous voulez voir en priorité sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Voilà, allez, c'est parti, je vais chercher le classeur bleu qui est derrière moi. Alors, je vais sortir la liste. Hop là. Alors, pour ceux qui connaissent Yann Tiersen, alors déjà, je vais vous dire combien il y a de morceaux. 1, 2, 3. Alors attendez, 1, oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 20, ouais, 23, 24, il y a déjà 24 morceaux, à mon avis, ça va faire déjà un double album, un double CD. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Alors, il y aura Contine d'un autre été, de Yann Tiersen. Après, il y a un medley, Le Banquet, plus La Noyée. Voilà, Yann Tiersen aussi. Après, il y aura un morceau, ah tiens, je l'ai pas compté celui-là, bon, ça va faire 25 morceaux alors. Après, il y aura La Tendresse de Bourville. Après, il y a un medley, La Java Bleue et Comme de Bien Entendu. Le Petit Pal Perdu, Bourville. Emmenez-moi de Charles Aznavour. La Valse d'Amélie.
J'y suis jamais allé. La valse des monstres. J'y suis jamais allé, c'est du Yann Tiersen aussi, c'est le film, ça vient du film Amélie Poulain, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. En avant blonde, qui est une valse québécoise que vous avez déjà pu avoir l'occasion de voir sur la chaîne. Mon amant de Saint-Jean. La valse à Olu. La foule de Piaf. Alors après, il y a une chanson de dessin animé qui provient du film Anastasia, le dessin animé Anastasia qui est sorti en 98 ou 99, je crois. Donc les personnes de ma génération, c'est-à-dire qui ont un peu moins de 30 ans ou aux alentours de 30 ans, ils ont dû le voir. Et la chanson, c'est Loin du froid de décembre. Je pense que ça va faire plaisir à certains fans, à mon avis. Ensuite, il y a une chanson de Renaud qui est incontournable, Mistral gagnant. Les feuilles mortes, que vous avez pu voir sur la chaîne déjà. Le vent nous portera, de Noir Désir. Dans le port d'Amsterdam, Jacques Brel, que vous avez pu voir sur la chaîne aussi. Les moulins de mon cœur, de Michel Legrand. Que vous n'avez pas encore pu voir sur la chaîne, je crois pas. Bella Ciao. Alors, une version un peu improvisée, hein, que je vous présenterai d'ici quelques temps. La chanson pour l'Auvergnat de Brassens, une chanson qui personnellement me tient spécialement à cœur. C'est si bon, It's so good, de Armstrong, la version d'Armstrong. Bésame mucho, Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Et Les roses de Picardie, décidément, qui a été chantée par un certain Yves Montand, que vous devez connaître également, qui a également chanté Les feuilles mortes, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, bon, c'est pas dit que je fasse tous ces morceaux-là d'ici la fin du mois de juin 2021, hein, parce que ça déjà, alors oui, je prends large, hein, parce que la fin du mois de juin 2021, ça va être vite arriver, et mine de rien, 25 morceaux à arranger dans le courant de l'année, un an, non même pas, 9 mois, 10 mois pour arranger tout ça, c'est très court, c'est très très court, donc je vous garantis pas de faire tout ça. Ceci dit, je vais essayer de vous faire quand même La Java bleue, comme de bien entendu, Le petit bal perdu, Emmenez-moi, Mon amant de Saint-Jean, ça c'est déjà fait, Emmenez-moi c'est déjà fait aussi d'ailleurs, La foule qui est déjà faite aussi, Les feuilles mortes c'est déjà fait, Le vent nous portera, Dans le port d'Amsterdam qui est déjà fait aussi, Les moulins de mon cœur, alors Les moulins de mon cœur, bon je l'ai arrangé, je la joue, mais elle n'est pas encore sur la chaîne, je vais essayer de vous faire quand même Chanson pour l'Auvergnat, It's so good, c'est si bon, Bésame mucho, ouais, ça peut être pas mal, Ne me quitte pas de Jacques Brel et Les roses de Picardie. Voilà, au moins ces trois-là, au moins celle-là. Sinon, dans toutes les autres que je vous ai citées, toutes les autres chansons que je vous ai citées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre préférée, votre chanson préférée, celle que vous avez envie de voir à tout prix sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très ouvert. Ou si vous avez d'autres chansons aussi auxquelles je n'ai pas pensé, qui, à votre avis, peuvent s'inclure dans ce type de répertoire, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Moi, je reste ouvert à toute proposition, hein, du moment qu'elle reste dans, on va dire, la philosophie de ce futur album. Voilà. Ok, bah écoutez, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, ou une agréable soirée, ou une agréable nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si d'aventure, vous souhaitez bénéficier de mes talents d'animateur de spectacle, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, aller voir mes coordonnées dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Moi, je peux tout à fait vous proposer un spectacle, qui tourne pour l'instant autour, on va dire, de l'irlandais, des musiques irlandaises, chansons françaises, valses, Yann Tiersen, et puis quelques extras comme Les moulins de mon cœur, Les feuilles mortes, enfin bref, ce que vous avez déjà un petit peu pu voir sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, c'est fait pour ça. Mettez-moi un petit like aussi sous la vidéo si elle vous a plu, ça me fera toujours plaisir. Ou un dislike si ça vous a pas plu, enfin bon, ça me fera mon plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Le Vagabond des Cordes pour vous aujourd'hui. Voilà, à la prochaine, portez-vous bien. Salut, je vous aime.